Elle appartient au GAEC Le Berge Jaouen du Finistère. Troisième, la numéro 297, PJP Grive. Une fille du taureau, oh oui, au GAEC du Breil Benoît d'Ille-et-Vilaine. Quatrième, la numéro 285, Galpès Bébé. Une fille de Damion, à l'ERL des Deux Cours, à l'ERL de l'Élevage de l'Espérance, à l'ERL de Saint-Balmont et au GAEC derrière la tour de la Meuse. Cinquième, la numéro 294, Galante. Une fille de Roumard, au GAEC Le Berge Jaouen du Finistère. Sixième, la numéro 293, Gondole. Une fille de Super, au GAEC de Rimbaud de la Saône-et-Loire. Septième, la numéro 275, Ginny. Une fille de Atwood, au GAEC du Chalet d'Ille-et-Vilaine. Huitième, la numéro 289, Genaïs. Une fille de Benji, à l'ERL Foucault de la Mayenne. Neuvième, la numéro 280, Géode, une fille de Sanchez, au GAEC de la Virgule du Finistère. Dixième, la numéro 295, Gaufrette, une fille de Voladiman, à l'ERL des Sources d'Ille-et-Vilaine. Voilà. Vous en avez peut-être marre de voir les premières lactations. Et bien, c'est la dernière section de première qui arrive. Mais non, c'est les plus vieilles vaches en première lactation, la section 1M. Donc des vaches âgées de 3 ans à 3 ans et demi. Et nous avons 13 animaux dans cette section. Et donc après cette section, nous aurons donc le prix de meilleure mamelle espoir, suivi du championnat espoir. Et donc après les sections de premier veau, nous finirons la journée avec les vaches en seconde lactation. Alors bien sûr, demain, nous avons le concours Pirouge, des vaches Pirouge au Steyn, qui démarre à 10h. Et donc ensuite, vers midi, nous avons tous les prix spéciaux. Et vers 14h, nous démarrerons avec le concours des vaches adultes en troisième lactation et plus, pour finir en fin de journée avec la championne adulte et la grande championne. Face above the water, my feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon at time. You are not around, slowly drifting.
of the water. My feet can't touch the ground, touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting, drifting away, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the. Voilà, vous avez vu donc la publicité donc d'Agrial, Agrial qui participe comme sponsor à cette section 1M. Agrial, groupe coopératif et agroalimentaire qui fédère plus de 10 000 agriculteurs dans le nord-ouest de la France. C'est un acteur de premier plan dans le domaine de l'élevage et de la nutrition bovine. Agrial est partenaire du National Primochten aux côtés des éleveurs passionnés par leur métier. L'exigence de performance et d'innovation anime l'ensemble du groupe. C'est aussi vrai en nutrition bovine, où Agrial développe de nouvelles techniques et de nouveaux produits signés Tanor, permettant aux éleveurs de progresser sur le plan technique, mais aussi économique. Retrouvez Agrial sur son stand.
Alors, l'occasion de ce national, Primogène France ouvre un nouveau service, les affixes d'élevage. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un affixe ? Un affixe, c'est un terme générique désignant un préfixe ou un suffixe. L'affixe d'élevage, ce sera la marque de votre génétique apposée au nom de vos animaux. Votre affixe peut comprendre au maximum 15 caractères qui se placeront soit devant ou après le nom. Un exemple, si votre vache s'appelle Finesse, vous pouvez l'appeler Beau Soleil Finesse ou Finesse du Montmoreau. Alors en déposant votre affixe auprès de Primogène France, vous protégez le nom de cette affixe et pour tous les bovins qui seront nés sous ce nom, donc au niveau de la France. Votre affixe suivra tous les animaux au long de leur vie et sur tous les documents officiels et dans les concours. Alors profitez de ce service. Et pour en savoir plus ou vous inscrire, allez sur le stand de Primogène France qui se trouve au coin du ring. Pour ceux qui suivent le concours, ou bien qui n'ont, pour ceux surtout qui sont absents, vous pourrez retrouver les vidéos de toutes les sections sur le site de Primogène France, donc le site internet de Primogène France, dans les semaines qui viennent. Alors, il faut savoir qu'actuellement, ce concours est retransmis en direct sur le site de PHF. Yeah.
première de cette section 1M, la numéro 300, Garmisch du Tombuy. Elle appartient au GAEC du Tombuy dans la Meuse, une fille de Sanchez sur Colwyn. En deuxième position, la numéro 303, La Bouge Glamour's Girl. Elle appartient à l'ERL de La Bouge en Loire-Atlantique, une fille de Colwyn sur Spirit. Et en troisième position, la numéro 322, Fiscale. Elle appartient au GAEC d'Eribrez dans le Morbihan, une fille de Colwyn sur Spirit. Voilà, pour terminer ce concours des prix mi-part, trois jeunes vaches vraiment intéressantes, vraiment complètes. Voilà, tu aurais toujours cherché l'équilibre général entre les corps, les mamelles et les membres. Et là, je suis heureux sur ces vieilles premières lactations de trouver trois animaux présentant un tel équilibre. La première se détache par sa finesse aujourd'hui encore, malgré, bien entendu, son âge. Elle présente beaucoup de finesse, beaucoup de féminité dans son squelette, dans ses membres, et elle est dotée d'une mamelle très haute, très bien attachée, ferme à l'avant, suffisamment haute et très large à l'arrière avec un formidable ligament suspenseur. Bravo. Elle fait la différence par rapport à cette finesse sur l'animal en deuxième position, animal très proche, animal qui aujourd'hui présente une condition corporelle un petit peu trop généreuse pour aller faire la première de section. Mais son harmonie générale et la qualité de son attache arrière fait la différence avec la vache en troisième position. Une vache aussi qui présente un équilibre parfait. Vraiment trois très très beaux animaux pour terminer ces classes de prix mi-part. Merci à tous, bravo. Voilà cette section première M, la première, la numéro 300, donc Garmisch du Tombuy, qui nous vient de la Meuse, du GAEC du Tombuy, une fille de Sanchez sur Colwyn. Cette section a été parrainée par Agrial et c'est monsieur Jean-Marie Gibault, responsable région Ille-et-Vilaine chez Agrial, qui remet donc le trophée au GAEC du Tombuy. On peut les applaudir. Ensuite, on retrouve en deuxième position la numéro 303, La Bouge Glamour Girl, une fille de Colwyn, à l'ERL de La Bouge de la Loire-Atlantique. Troisième, la 322, Fiscale, une fille de Colwyn, au GAEC d'Eribrez du Morbihan. Quatrième, la numéro 320, Fanny, une fille d'Aftershock, au GAEC...